Les abos, bienvenue au nouveau. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de comment hacker Splatoon. Du coup, vous allez voir dans la description, mais il y aura deux timecodes. Du coup, ce sera les deux timecodes pour les deux différents types de hack. Je précise que pour ces deux hacks, il vous faudra une carte SD d'au moins 4 Go. Donc, du coup, comment dire? Du coup, eh ben, je vais vous montrer. Comment dire? Déjà, on va commencer. Vous allez voir dans la description après les timecodes. Mais pour l'instant, ça va être plutôt important. Il va falloir insérer la carte SD dans votre PC. Il faudra que ce soit une carte SD vide. Hein. Du coup, voilà, une carte SD d'au moins 4 Go. Et du coup, voilà, après que vous l'ayez insérée, après, vous allez. Après, on va passer sur la capture du PC maintenant. Et vous allez voir. Du coup, une fois sur votre PC avec la carte SD de rentrée, vous allez sur le navigateur internet, enfin sur le premier lien de la description, et vous tomberez sur le Wii U Homebrew App Store. Du coup, vous allez aller dans Search, vous allez descendre, et là vous allez trouver le Homebrew App Store, vous allez cliquer dessus, vous allez faire Download, hop, vous devez chercher où vous voulez, mais en tout cas pas dans la carte SD. Vous faites Enregistrer, ensuite vous ouvrez l'endroit où il y a votre carte micro SD. Voilà, donc moi j'ai déjà rentré ça. Voilà, vous allez voir. Donc, ça, vous allez l'ouvrir. Et là, vous aurez le dossier Wii U. Donc, vous aurez juste à ouvrir là et à glisser ce petit dossier Wii U ici. Donc, voilà, ensuite il y sera. Mais après, ce n'est pas fini. Il faudra aussi retourner sur Search et télécharger le The Home Launcher. Là, vous allez faire Download. Enregistré. Et là, vous allez cliquer dessus. Et là, vous aurez à nouveau le truc Wii U. Mais il faudra pas faire le truc Wii U. Enfin, il faudra pas glisser de ce Wii U. Il faudra faire Wii U. Il faudra cliquer sur Wii U. Cliquer sur App. Et après, le Homebrew Launcher. Voilà. Après le Homebrew Launcher, vous allez. Comment dire? Après le Homebrew Launcher, ici, vous allez cliquer sur Wii U, App. Et là, moi, j'ai déjà le Homebrew Launcher. Là, le Homebrew Launcher, vous allez glisser ici. TCP Gecko, c'est un truc qu'on téléchargera sur la Wii U. Moi, il y est déjà, du coup. Mais voilà, TCP Gecko, normalement, ça n'y sera pas. Vous aurez App Store et Homebrew Launcher dans Wii U et App. Et du coup, là, ça sera très très bien. Du coup, après, vous pouvez tout quitter. Et on va, du coup, retirer la carte SD et la glisser dans la Wii U. N'oubliez pas, à chaque fois, il faut aller là et cliquer sur le petit logo. Et en fait, éjecter le nom de votre petite carte SD. Et une fois que vous avez ça, vous pouvez retirer votre carte SD. Hop. Et ensuite, vous allez ouvrir ce petit truc de la Wii U là. Voilà. Et ensuite, vous allez insérer votre carte SD à l'intérieur. Voilà. Et ensuite, vous allez refermer le façade de la Wii U. Et après, du coup, on va allumer la Wii U. Bon, ça, pour l'instant, je vais rester en téléphone, même si ce sera un petit peu dégueulasse. Menu Wii U, tout ça. Ensuite, vous lancerez le navigateur internet et vous irez sur une petite page. Du coup, voilà. Donc, moi j'ai acheté au favori, ça s'appelle Speed Accessible. Du coup, vous allez faire recherche. Une fois que vous l'avez mis, vous faites OK. Hop, et voilà. Maintenant, vous faites rechercher. Ensuite, vous allez cliquer ici sur Speed Accessible. Voilà, et ensuite ici vous allez directement ajouter aux favoris. Du coup, vous allez cliquer sur votre petite icône et en fait ajouter aux favoris ici, il sera là. Voilà, et du coup, en fait, d'ici il ne faut pas lancer le Stupid Accessible. Ensuite, il va falloir revenir et là dans vos favoris, vous allez cliquer sur Stupid Accessible. Voilà, et ensuite, vous allez faire Exploit. Hop, je reste encore comme ça. Je suis désolée, c'est un petit peu dégueulasse. Mais au moins, je peux clairement vous montrer ce qui se passe. Ici, vous pouvez aussi mettre le petit rideau pour que ce soit beaucoup plus clair. Voilà, vous appuyez sur X. Hop, comme ça, après, vous voyez, dès que ça fait un écran blanc, bah après, soit ça affichera le logo Wii U en bas à droite, et là, ce sera bon. Soit ça va rester sur l'écran blanc, et là, du coup, il faudra redémarrer le Wii U. Et parfait, on a eu le logo Wii U du premier coup. On a de la chance. Voilà, du coup ici, vous aurez le TCP Gecko. Bon, du coup, en fait, on va pouvoir passer de nouveau sur l'écran joli.
Voilà, du coup là vous allez aller sur le HBA Store, normalement vous n'aurez pas le truc des CB Gecko. Et là vous allez faire load. Et ensuite ça va être assez long, mais il vous faudra descendre. Ah, désolé. Là vous appuyez sur une touche. Hop, ensuite vous allez aller dans All Apps. Et ensuite il faudra chercher le TCP Gecko. Donc oui, ça va être très très long, ce qu'il faudra descendre pendant longtemps. Mais une fois que vous l'aurez trouvé, ce sera l'icône de petit Docteur Mario. Et après vous ferez ça, et après vous ferez install à l'endroit où il y a l'icône install. Ensuite vous ferez back, et ensuite vous appuierez sur le menu home pour retourner ici. Et ensuite vous appuierez ici, et là vous ferez load. Voilà. Donc ici vous verrez votre comment dire, là vous verrez votre adresse IP. Et du coup ici, eh ben, on va passer directement. Enfin après c'est fini. Du coup maintenant on va passer au deux types de hacks. Pour l'instant on va commencer avec les hacks sans freeze. Bref du coup ici laissez comme ça. Non, d'abord retenez bien votre adresse IP. Notez-la quelque part dans un dossier, là où vous voulez, honnêtement. Donc ensuite vous allez aller dans le deuxième lien de la description. Un lien WinRAR donc pour pouvoir télécharger les hacks. Du coup, vous allez faire clic droit, télécharger, télécharger en zip. Du coup, moi j'ai déjà téléchargé, donc du coup, j'ai refusé le truc. J'ai refusé le fait de télécharger, mais après, je vais ouvrir le dossier. Attendez un petit peu. Hein. Voilà, donc du coup, moi j'ai déjà téléchargé. Du coup, je fais annuler, mais vous l'enregistrez du coup. Ensuite, vous irez dans les téléchargements. Voilà, donc du coup, on va faire Splatoon Axe. Voilà, du coup, dedans, vous aurez. Attendez, oui, du coup, en fait, voilà. Attendez, oui, du coup, vous allez créer une sorte de mini dossier. Voilà, moi je l'ai mis là-dedans. Voilà, donc du coup, ici vous mettrez l'archive et vous ferez extraire ici. Et après, donc du coup, ça vous donnera ces deux dossiers, new.h.io et splat.io. Donc, du coup, déjà vous allez retourner ici et vous allez appuyer sur A, d'accord? Appuyez bien sur A. Hop. Ah mince, attendez, attendez, l'écran freeze. Ah, attendez. Parce que là, sur le gamepad, ça fonctionne bel et bien. Attendez. Un peu, vous entendez. Attendez. Voilà, c'est bon. Donc ensuite, ne lancez surtout pas Splatoon. Du coup, pour l'instant, laissez ça comme ça. Voilà, donc du coup, pour new.h.io, bon, déjà vous allez copier, enfin vous allez copier votre adresse IP. Voilà, copier. Pour new.h.io, du coup, bah, vous aurez ça, ce petit logiciel. Donc, du coup, voilà, on va le lancer. Hop, par exemple, en fait, c'était un V, voilà. Et là, il ne faut surtout pas faire connect. Du coup, là, vous allez démarrer Splatoon. Et pendant ce petit laps de temps, vous verrez la chambre. Il ne faudra surtout pas lancer, il ne faudra surtout pas se connecter. Mais après ce temps de chargement, vous pourrez vous connecter du coup. Voilà, à partir de maintenant, vous pouvez vous connecter. Et là après, vous avez tous les hacks. Du coup, je vous laisserai découvrir ça par vous-même. Et vous aurez aussi Splatio. Du coup, Splatio, bah, vous allez faire ça. Et là, vous aurez le logiciel. Hop. On lance. On fait connect aussi. Après avoir rentré son CP. Et voilà. Et ensuite, là, vous pourrez vous mettre en hoteling. Pour avoir vos stats au max. Juste, je vous dis vite fait. Ok, alors je peux même faire déplacer. Parfait, s'il veut. Ah d'accord, ok, je peux un faire.
Bon, bref, ça, l'écran pour l'instant, on s'en moque. Du coup, vous pourrez mettre son stat au max et tout, et je t'achèterai à avoir tout mis, vous pourrez faire apply. Du coup, attendez, je vais vous montrer. C'est parfait, c'est bien le moment que ça bug. Attendez une seconde. Du coup, parfois, en fait, c'est un des rares jours où mon PC décide de bugger comme ça. Du coup, vous avez pas du tout de chance. Hop. Voilà, donc du coup, par exemple, là, je vais avoir l'amiibo Marie, donc du coup, Oli. Hop, là, du coup, vous faites apply, et ensuite, vous faites plus. Hop. Et pour avoir l'octaling avec les beaux yeux, vous savez, elles sont connues pour avoir des yeux complètement moches. Voilà, donc du coup, là, vous avez Marie, enfin, en gros, Oli, enfin, voilà. Du coup, vous avez les amiibo que vous voulez. Faut tout choisir, à chaque fois vous faites juste apply. Et sinon, pour avoir une outlining assez jolie, je vais essayer de vous montrer. En fait, au lancement du jeu, il va falloir faire outlining. Du coup, je vous montre ça assez rapidement. Voilà, du coup, dans ce menu, il va directement falloir faire Connect et il va falloir cliquer sur Octopus et Apply. Voilà, ensuite, ensuite, vous passez les news. Et du coup, voilà. Et là, vous aurez une opening super magnifique avec ses yeux pas buggés du tout. Et voilà. Et donc là, du coup, ça va être très très sympa. Du coup, maintenant, on va passer au hack avec Freeze. C'est parti. Bref, du coup, là, vous allez déjà quitter votre Wii U, la redémarrer du coup. Et vous allez cliquer sur le troisième lien dans la description, qui sera donc ce petit dossier méca que j'ai créé pour jcou.jar. Donc, sachez que pour ça, il faudra Java. Donc, si vous ne l'avez pas, vous allez cliquer sur le quatrième lien dans la description. Du coup, enfin, ce sera dans la description. Et voilà, ce sera ça. Il faudra télécharger. Vous avez absolument besoin de ce logiciel. Et du coup, vous ferez clic droit, télécharger, télécharger en zip. Hop, et là je le téléchargerai. Je crois que je vais le télécharger, je ne sais plus trop où. Ah oui, voilà, je vais le télécharger ici. Attendez. Voilà, en fait j'ai écrit un dossier GKU et j'ai mis là, ça. Là vous l'enregistrez dans un dossier GKU que vous avez créé. Et voilà. Donc, ensuite, vous, comment dire, ensuite, vous irez dans, ici, dans votre dossier JKU. Voilà, et alors là, vous ferez ça, extraire ici. Et du coup, ça vous donnera config pour properties JKU. Ça, vous ferez des actions, ça non plus, ça non plus. Vous aurez juste à avoir besoin de ça. Ensuite, vous lancerez JKU. Et ensuite, ça vous amènera là, vous rentrez votre adresse IP. Et après... ne rentrez pas dessus votre adresse IP. Là, il faudra aller du coup sur navigateur internet. Comme on avait pu voir précédemment. Ensuite, vous retournerez sur le fameux stupid accessible. Vous ferez à nouveau exploit. On espère que ça va fonctionner. Allez. Parfait, ça n'a pas freeze. La chance. Ensuite, vous ferez TCPGecko load. Et cette fois-ci, il ne faudra pas appuyer sur A, mais bien sur X. N'oubliez pas, appuyez sur X ici. Voilà. Et du coup, alors ici, comment ça marche dans JKU, vous ferez add code. Il faudra vous connecter avant ça. Ouais. Donc, à ce moment-là, vous pourrez directement lancer Splatoon.
Et là, même pendant ce temps de chargement avec les squids, vous ne devrez pas vous connecter. Je vais vous montrer juste après. Ni pendant ce temps de chargement là. Allez. Voilà. Et à partir de là, vous pourrez vous connecter. Et voilà. Et là, du coup, comment ça va marcher? Vous allez écrire add code. Ensuite, vous allez entrer le nom du code. Par exemple Sky pour voler. En gros, le nom que vous voulez pour que vous souveniez du code. Et ensuite, vous entrerez le code. Vous aurez tous les codes que j'ai là actuellement dans la description. En fait, il y en a plein. Par exemple, le truc pour tirer vite, le Sky. Et surtout, l'anti-ban. Les deux anti-ban. Celui-ci et celui-ci. Les deux anti-ban qu'il faut absolument avoir. C'est quasiment une obligation de les avoir. Il faut tout le temps qu'ils soient activés. Et du coup, quand vous les activez, après vous faites send code comme ceci. Et on va directement commencer avec un code qui permet de skip les infos. Avant d'entrer ce code-là, il faut supprimer tous les autres. Et là, qu'est-ce que je l'avais appelé? Voilà, send code. Et là, vous voyez, je suis déjà niveau 50. Hop. Donc, attendez, ensuite. Attendez. Maintenant, je peux l'enlever. Là, si j'arrive à bien me débrouiller en volant. Attendez, je vais remettre ce que j'ai d'habitude. Voilà. Si j'arrive à me débrouiller en volant, normalement, je devrais pouvoir arriver à ce qu'on voit. Et voilà, me voici. Ah, ok, je traverse des solides. C'est bon. Et ensuite, pour pouvoir vous dépenser, parce que quand j'appuie sur les ZR, ça vous bloque. Bah, vous faites plus. Et après, vous faites moins. Et du coup, après, ça marche. Ah, ça freeze. Voilà, parfait. Bon, du coup, ça n'a enfin pas crash. Du coup, là, on peut voir un petit peu les codes. Je voulais vous montrer vite fait. Donc, en fait, sachez déjà que j'ai été banni. Je vous montre vite fait. Voilà, trop bien, en fait, j'ai été banni. Et du coup, du coup, j'ai trouvé des codes pour pouvoir aller sur d'autres maps. En allant dans la map d'entraînement. Déjà, je vais vous montrer. J'ai un truc connecté. Send code. Voilà déjà les codes que j'ai. Le code pour voler déjà est extrêmement sympa. Ici ils ont mis des collisions, je sais pas pourquoi. Hop, là il y a le train, très bien. Bref, voilà. Du coup, en fait, ce que j'ai fait, du coup, c'est que j'ai trouvé des codes en gros pour pouvoir aller sur d'autres maps. Par exemple, on va aller sur passage turbo en mode nuit en espérant que ça ne freeze pas. Normalement, ça c'est freeze, hein, parce que c'est très très instable. Ça n'a pas freeze. Excellent. Du coup, là, on est sur passage turbo. Voilà, donc du coup, tu peux se mettre en mode nuit. Sauf si on se parle pour la police, c'est pas possible. Du coup, on va quitter. On va aller sur la map du tutoriel. Hop. Sachez qu'il ne faut pas activer deux maps où on veut aller de suite. Sinon, ça va forcément freeze. Ça a de grandes chances de freeze car c'est très instable. Mais ça va forcément freeze si vous mettez deux maps en même temps. Ça n'a pas freeze. On a également beaucoup de chance. Et du coup, là, on est sur la map du tutoriel. En mode nuit, en plus. En mode nuit, ça a énormément plus de chances de freeze. Hein. C'est très très rare pour jouer en mode nuit. Moi, j'ai beaucoup de chance. Vous, ça peut extrêmement freeze. On a aussi un petit hack pour changer de team.
Attendez, où est-ce qu'il est? Voilà. On fait same code. Et je crois que en fait, les deux sticks du gamepad, en fait, les deux croix directionnelles du gamepad, enfin, la croix directionnelle du gamepad, si vous appuyez sur le bouton droit, vous serez dans une équipe. Et dans le bouton gauche, une autre. Hop. Là, vous pouvez voir que vous avez tout. Également pour ça. Et voilà. Du coup, vous pouvez faire tout ça en ligne aussi, juste un gif. Moi, si je me fais bannir, c'est parce que avec un pote en live, on est marqué beaucoup trop de points. Et du coup, on se fait bannir. Du coup, j'ai marqué trop de points en garde de territoire. En dessous de 10 000, ça passe. Du coup, en fait, je ne vais pas pouvoir montrer ma chaîne en ligne, mais ok, c'est un petit coup de pub. Mais activez la cloche si vous voulez voir. Parce que là, je vais trouver mon petit ban. Et quand j'aurai trouvé mon petit ban, je ferai un live sur la chaîne où on jouera en ligne. Voilà. Et puis voilà, du coup, je vous montre la configuration que je fais quand je joue en ligne d'habitude. Je la montre. Du coup, en fait, ce que je fais, c'est que. Déjà, en fait, je vais requitter le jeu en entier. Faut bien se disconnecter avant. Voilà. Du coup, là, on quitte le logiciel. J'ai également lancé H.I.O. Du coup, ce que je fais, c'est que je lance Splatoon. Attendez, du coup. Hop. Voilà, je lance Splatoon. Il se lance. Par contre, sachez que en montant en italique comme moi, ça a encore plus de chances de freeze. Donc je vous préviens, moi là vous êtes prévenus. Là je fais connect, octopus, apply. Là je mets tout au max. Et après je fais bien évidemment octopus, apply. Ensuite je me disconnect, on peut fermer, je serai en octaling. Ensuite je lance GKU. En fait j'évite de lancer parce que skip les news ça fait souvent freeze. Du coup là je ne lance pas, je lance, je laisse les news. Parce qu'avec les Otalink c'est tellement instable que je suis obligée quasiment de laisser les news. Du coup là je suis en Otalink. Ensuite je fais send code. Je retire le maximum possible de code. Chez Steam c'est pas encore obligatoire. Hop. Alors par contre pour aller sur la map du début en même nuit, il faut d'abord aller sur Passage Turbo ou une autre map, par exemple la Recrepo ici, et s'y mettre en bonne nuit, sinon après vous serez pas en bonne nuit, vous serez forcément en jour. Vous mettez en bonne nuit sur une autre map, ensuite vous quittez, vous laissez en bonne nuit, et ensuite vous mettez la map du début et vous laissez en bonne nuit, et après ça fonctionnera. Du coup on va faire connect, send code, hop, attends, lance, oula. On va espérer que ça ne va pas freeze du coup. Je prends le marqueur léger, je sais plus comment il s'appelle. Marqueur léger Néo. R de tir, on espère que ça frise pas. Yes. Et à chaque fois je prie. Hein. Du coup là ça n'a pas frise. Ensuite on peut faire quitter. Hop. Et là on quitte passage turbo. On met la map du début. On fait send code. Et là il n'y a plus qu'à prier pour que ça ne frise pas. Et ça n'a pas freeze. Coup de chance. Oula, oui. En fait, vous pouvez être attribué à une des deux équipes. Et si vous êtes attribué à une des équipes, vous tomberez en bas. Si vous tombez dans la mauvaise. Et du coup, vous aurez juste à changer d'équipe. Voilà. Donc là, l'équipe de base, c'est orange. Là-bas. Et moi, en fait, j'étais compté comme un petit peu dans l'équipe ennemie. Du coup, je vais être change team pour être dans l'équipe orange. Parce que j'adore. Bouton gauche. Et voilà, c'est bon. Je fais partie de l'équipe orange. Même si j'ai mes cheveux bleus, j'en ai rien à faire, je m'en moque. Et voilà, du coup on a eu beaucoup de chance parce que sur le dernier coup ça n'a pas freeze. Sachez que plus vous utiliserez, moins ça freezera. Mais au début ça freeze, ça va freeze hein, quand vous aurez fini ce tuto. Mais voilà. Donc du coup, j'espère que cette petite vidéo pour comment hacker Splatoon vous aura plu. Attendez, on va finir sur un truc assez cool.
où on n'aura pas d'armes. Voilà. Oui, donc du coup, bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Je vais vous laisser avec un match sur la fin que j'avais record avant d'être banni. J'ai pas mis de ne pas avoir d'armes. Ah mince, ça. Hop. Voilà, et du coup, bah voilà, j'espère que ça vous aura plu. Du coup, je vais vous mettre avec un petit match que j'avais pris avant d'être banni. Que j'avais record comme ça en mode random. Et puis voilà, et du coup, voilà les gars. Je vous souhaite à tous et à toutes une agréable journée, mais bien une agréable soirée. Et voilà, et moi les gars, je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos.